parti. Bonjour à tout le monde. Namasté. Deuxième vidéo. Aujourd'hui, on s'était dit avec Christelle que ça aurait été pas mal de se présenter quand même, de vous dire ce qu'on fait un petit peu dans la vie, puisqu'on ne fait pas que des vidéos comme ça pour rigoler ou pour s'amuser. Donc on va se présenter, ce sera un petit peu le cadeau du jour, vous allez comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait dans la vie. Voilà, tout simplement. Je te laisse commencer. Oui, bah, si tu veux. Donc bonjour à tous, donc, pour ceux qui sans doute basculent plus Yann, donc vous savez peut-être pas ce que je fais, donc voilà, je suis l'épouse de Yann. C'est déjà du travail. C'est vrai. Et sinon, moi, je suis infirmière de bloc opératoire. D'ailleurs, je salue les copines, ça fait du bien de les revoir à chaque fois. Voilà. Et puis sinon, je suis magnétiseuse en fait, enfin énergéticienne. Je rééquilibre les énergies. Je passe le feu aussi pour les gens qui se brûlent. La preuve. Hein. Je me suis brûlée il y a 2 jours, je sens plus rien, j'ai une marque. Et j'ai pas fait exprès de me brûler pour la vidéo d'ailleurs. C'est parce que je venais de passer le feu d'un petit enfant de Nantes, ça que t'as fait exprès du coup. Bon, en voilà. Je travaille aussi sur des choses plus subtiles comme avec des choses qui touchent à l'âme aussi, à ces choses-là. Voilà, que dire Il faut dire aussi que depuis quelques temps, elle fait des soins au tambour chamanique. Donc elle n'aime pas trop encore en parler, hein, mais bon, vous avez quand même devant vous une chamane à Élion. Hein. Il n'y a pas que moi. Il y a plusieurs personnes d'ailleurs dans la semaine qui ont déjà dit qu'elle ressemblait à Rafiki. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Rafiki, c'est le babouin chaman dans le royaume. Donc je vous mettrai la petite image, hein, après vous verrez, vous pourrez faire la ressemblance ou pas. En tout cas, voilà. Donc le chamanisme a beaucoup de soins en lien avec les énergies de la nature. Voilà, donc aussi bien sur des enfants que sur des mamans, des papas, les zonas, les gens stressés, les gens épuisés, le magnétisme, enfin le travail énergétique, ça a vraiment un bel effet. Donc c'est vraiment chouette. Et puis je pense aussi qu'il y a une part de peut-être dénouer. J'imagine bien une grosse pelote de laine et petit à petit, je pense qu'on peut dénouer des choses aussi. Donc voilà, il y a tout ce travail là qui est intéressant et qui est vraiment très chouette. Vous avez compris, vraiment des soins pour le bien-être, des soins curatifs, des soins thérapeutiques. Ouais. Et donc pour Noël, quand même, petit cadeau, vous pouvez aussi acheter ou en tout cas payer un soin à vos amis, à vos parents, offrir. À vos familles. Enfin, offrir évidemment, vous allez quand même l'acheter. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ou par message privé si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces petites cartes cadeaux. Pardon. Donc voilà, en tout cas pour la partie de Christelle. Côté businessman quand même. Non mais, il va falloir déjà. Et donc moi, vous me connaissez un petit peu quand même sur les réseaux, mais pas sur la page de Christelle. Moi je suis consultant bien-être en entreprise. À la base, j'interviens dans les entreprises pour tout ce qui est méditation, relaxation, qigong. Donc qigong, vous verrez un petit peu, hein, sont du travail énergétique, du geste. Et puis pour les particuliers, je fais depuis quelques temps des accompagnements, des coachings sur les chemins de vie. Je travaille beaucoup sur la méditation, en tout cas je propose beaucoup de choses sur la méditation, soit en privé, soit en groupe. Et évidemment aussi, je fais des dégustations de thé. Oui, parce qu'il aime bien jouer à la dinette. Ben, c'est mon côté féminin qui ressort, ça peut-être. Je fais beaucoup de dégustations sur le thé. Et du coup, je revends aussi du thé. Voilà, je revends du thé traditionnel chinois, des thés bio, des thés sauvages. Voilà. Et si, toi aussi, tu as un petit nom secret, Maître Shifu? Oui, Maître Shifu, parce que je suis aussi pratiquant et enseignant d'arts martiaux, donc... Alors, si vous avez déjà vu Kung Fu Panda, je sais pas, je mettrai aussi peut-être en lien, vous me direz qui c'est qui ressemble le plus, si c'est moi à Maître Shifu ou Christelle à Rafiki. Bon, voilà, on trouvait ça pertinent de pouvoir se présenter quand même aujourd'hui. Et puis ça nous laisse le temps de réfléchir aussi à ce qu'on va vous proposer demain et après-demain et les jours suivants. Donc voilà. Peut-être aussi que si certains doivent vous demander il y a peut-être des gens qui ont des suggestions. Et oui, complètement. On peut peut-être faire quelque chose. S'il y a des gens qui ont des suggestions, effectivement, si vous avez envie d'avoir une petite vidéo sur telle ou telle chose, sur telle ou telle de nos pratiques, on pourra peut-être complètement, on pourra y répondre. Très bonne idée. On a plein d'idées hein, déjà, mais voilà. On a au moins 23 idées. Hein. Oui, donc voilà.
Je vous souhaite une belle soirée. Oui, bonne soirée. Alors, une belle soirée. Oui. À demain. Namasté. À demain.